Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour partout où vous êtes, mes chers frères et sœurs. Vous qui avez l'habitude de me suivre à tout moment. Mes chers frères et sœurs, je suis encore avec vous pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile est intitulée La vie est un prêt. Elle est éphémère. Elle dépend de Dieu et reste soumise à son bon vouloir. La vie est un prêt. Elle est éphémère. Elle dépend de Dieu et reste soumise à son bon vouloir. Suivez-moi attentif, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. La vie, qu'est-ce que la vie? La vie est ce qui est en mouvement. Quand on est en vie, c'est-à-dire en bonne santé, et on est en mouvement, c'est ça la vie. Quand on n'est plus en mouvement, cela veut dire que là, c'est fini. Alors, je vous demande de bien vouloir suivre cet enseignement attentivement, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je reprends le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « La vie est un prêt. Elle est éphémère. Elle dépend de Dieu et reste soumise à son bon vouloir. » Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vie est ce qui est en mouvement. Et nous allons lire, mes chers frères et sœurs, dans Genèse 7, versets 21 à 22. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Genèse 7, verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Verset 22. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourit. Nautan Ringala. Biloko nyonso ya bomoi oyo ezalaki na mokili ekufaki. Bandeke, banyama ya mboka, na ya zamba, banyama ya mike, pe bato nyonso. Verset 22. Nzambe abomaki biloko nyonso ya bomoi. Mes chers frères et sœurs, tant ou biloko nyonso wana zo kufa, eza suna bomoite, cela veut dire oza suna vite. Parce que tant ou kufi, oza en mouvementé. Yangwana bomonaka, mes chers frères et sœurs, si quelqu'un est hospitalisé et que la guérison tarde à venir, ezo meme na liwa, bokoya ko remarquer que bokoya otale lelo, azo tambolaka ye moko, azo ki nosokolaka. Lo bibo ya kuta, azo tambola su ye moko te. Babandi ko sokola ye, ye baka wana, e bandyo ki nanzela mabe. Ti bo ya komona, azo tele masu su te po baki no sokola ye. Abandi ka kola la. Force ya kotele ma ezate. Ti sukola mo bo mona nini, nde kwa keyi. Alo, sukwa keyi, ine pli a mouvement. Alors, on dit ici, la vie est ce qui est en mouvement. Donc, tant que vous avez besoin, vous avez besoin de en mouvement. Bon, l'anda, Mathéo, bien, donc, il y a un musique. C'est pour cela, ce que vous avez là, au monde, allez, vous avez docteur Babina, yo, ça n'a pas physique. Au tamboulaka. Oh, ma collègue, comment vous soignez tout ça, ma collègue, bima, kapé, au tamboulaka. Baba, non, les moussous, ça 2 ou 3 km par jour. Kende ke boy. Ce qui est en mouvement, aux hommes, nous avons besoin bien. Mais ce qui nous ont besoin, c'est que nous avons besoin de nous faire un tour. Au télémagaté, au kitagaté pour mettre un tour,
omona ba maladi ba no bimilo soko ebele na kati ya nzoto parce que oza na mouvement te oza kokende vers pai tozongaka tokotanga lisusu na Actes des apôtres 17 8 28 tokotanga lisusu na Actes des apôtres 17 18 car en lui nous avons la vie le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Tout en yon gala. Pambate ezali yemoto apesi biso bomoi. Namakasi yakotambola. Kaka yende asala biso. Deko, la vie c'est un prêt. Eza ya biso te. Ndeko après oyo numéro koya bokomona eza je vais parler sur la mort bandeko eza ba mate ya mingi na belise bate ya kangote ya no moni batu mususu bazala na courage ya kofinga batu bazala na courage ya kotonga batu bazala na courage ya kosala batu mabe parce que ba mate ya mususu oyo ko pekisa ba makambo wana ya yo kana ya ngote c'est pour cela bandeko ba mate yanga na te yaka au moins na église ba te yaka ngote mais pananga okozo yango parce que ba mate ya mususu kimisaka bandimi alors mosala nzambe oyo azako sala mosala na spécialement pona mbongo ba mate ya neti na te yaka ba mvutuma akote yango te ya baliwa akote yango te or eza très bien mutu fo ye ba yango po ba ndenge nini akoki komi batela ndenge nini akoza na batu ndenge nini akoza na amour avec hypocrisie bandeko na uti kote ya mate ya moko vanité de vanité batalion kaka je crois 1200 personnes mais déjà nga sou mate na balani on a 500 personnes c'est pelara bien na c'est pelara mingi pour 500 personnes on a sou batandi ba ngomaze belé do na changer batu. Et puis, il y a un peu de temps, presque, pour que nous soyons tous les jours. Mes chers frères et sœurs, linga mateya okosepela. Luka olandaka mateya okosepela. C'est pour ça que je vous ai dit, mes chers frères et sœurs, ceux qui ont la chance de landanga na mateya. Luka bandeko na yo o balinga mateya, balandaka mo. Balandaka bato ba bundisa ngate o oh, wana bakosa ba makamweza ngati balandaka ba onte balandaka liloba o ya nzambe parce que liloba o eza ngate eza nzambe. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vie est associée à la lumière, à la joie, à la plénitude, à l'ordre et à l'action. Psaume 27:1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Job 33, 25. Job 3, pardon, Proverbe 3, 6. Voilà. Donc, on a la paix Job 33, 25. Et on a Job 33, 25. Et sa chair a pris de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. La vie est associée à la lumière. La vie est associée à la joie, à la plénitude, à l'ordre. Mes chers frères et sœurs, tokita ki na Job 33, 25, na sota ki psaume 27, 1. Bon limbisa. Il fallait tout temps gande psaume 27, 1. C'est très important, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Psaume 27, 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Bandeko, vie oyoza nango,
nzambe muta pesi yango lokola nzambe muta pesi yango okobanga lisu nani okobanga soko zo landa makambo oya yete me soko zo landa oya ye yoko banga nani oyo azana mwa souffle ya pamba oyo akoya ko bundisa yo me soko zana bonzambe akukayote batu oyo babanga kabandoki baza batu oyo basambela na ndenga bosolo te parce que soko samela na ndenga bosolo oza ya nzambe omone lo moko te même soko zo bunda na komba bible lobi na biso ke nous aurons des tribulations c'est normal l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Job 33, 25, Proverbe 3, 16. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la vie est un prêt. Elle est éphémère. Elle dépend de Dieu et reste soumise à son bon vouloir. Vie au yotozo loba qui fausse la mouvement. Nzambe a déficit biso ango a yi bozwa balobi bozwa ango mais ango kana tango a muke so kufi na 150 ans ezango le hotel azoloba elle est éphémère donc ezana tango a muke et ezo dépendre ndé pa na ye la vie est un prêt oyé na mukili oyo Olingi baningate. Obosa ni ke pema oyozo bimisa. Eza ya ye. Soki lelo ya lube aboto lo yango. Ako boto lo yango na ndenge ya pepele. Oza na ligama olubate. Balobi el depanke de son bon vouloir. La vie est un prêt. Elle est éphémère. Elle dépend de Dieu. Et reste soumise à son bon vouloir. La vie est un prêt, elle est éphémère, elle dépend de Dieu et reste soumise à son bon vouloir. L'homme ne peut ni la prolonger ni la détruire. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi, je lis au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Jacques 4, 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Nakokuta nana ndekonangai mafuta Marcel. Année prochaine. Mais il faut na souki ça si Dieu le veut. Parce que azoloba que la vie est un prêt si Dieu le veut. Et ce qui a lingité okuta nendengini, il faut y alinga. La vie est faite de flux et de reflux. Vivre, c'est être bien portant. Vivre, c'est-à-dire, il faut être en bonne santé. On sera toujours en mouvement. C'est ça la vie. Je lis au nom de Jésus dans l'évangile de Jean 4, 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crie à la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'en alla. Vous voyez, moi, nous avons envie. Nous avons envie. C'est qu'il y a un mouvement. Alors cet homme a crié à la parole de Jésus-Christ. Dans la mesure où la vraie vie n'existe que dans la proximité de Dieu, la vie et la mort relèvent aussi d'un choix moral. Dans la mesure où la vraie vie n'existe que dans la proximité de Dieu. Bon, moi, il y a solo,
il faut zalaka na pembeni na oya kela yo. Toujours pembeni na oya kela yo. Même si tu as péché, confesse ton péché. Zala toujours pembeni na ye. Oko sepela ndeko. Bandeko na yip se mino ke. Tokoti na zone rouge. Tango yo. Ozananga. Soko yumoni lulubeye pa na yo. Kola li sangote landango mkolo wana. Parce que moussou se zo ya. Oyo, tango kaka yo tala yango. Soko mitale ki yango te. O mouna moussou e kweyi. Titre nango zanini. On va parler sur la mort. Donc, oyo, loko le zo kota lelo. Toza. Samedi le 28, oui. Samedi le 28. Le 29, je vais parler sur la mort. Après Oyoko Landa, le 30 ou bien le 1er, je t'ai aidé à parler sur le paradis et l'enfer. Est-ce que le paradis existe là? Est-ce que l'enfer existe là? Il faut Landa en poyeba. Ce que ça m'a dit, c'est que je suis là. Tango biso bato wasala biso mabe omane biso to répondre te yo moninga neti zoba te parce que ngana zana makomi na yebi pa yoko mema yo na yebi pa yoko ozokende na yebi pa yoko na wese tango to chaka boye obi ngaye ngana yebi pa yoko ozokende. Le sort d'un individu ou d'un peuple, que ça soit la bénédiction et la vie ou le malheur et la mort, dépend de sa droiture ou de son péché, de son obéissance ou de sa désobéissance à l'égard de Dieu. Je reprends. Le sort d'un individu ou d'un peuple, que ce soit la bénédiction et la vie, ou le malheur et la mort, dépend de sa droiture ou de son péché, de son obéissance ou de sa désobéissance à l'égard de Dieu. Lisons dans Deutéronome 30, 15. Lisons dans Deutéronome 30, 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Nzambe ya bolingo. Alobina yo, choisis la vie. Ndeko nangayi, tango zon na mate ya oyo. Bandila kango deux fois, trois fois. Lingaka ozala toujours na présence Nzambe. Ozala na présence Nzambe na liloba na ye. Kola ndaka mateya te o eza ba spectacle. Landaka mateya o ba zote ya yo avec droiture. O yo tango zo mona na ba verson bi oui. O yo mousa la Nzambe zo prêchera avec droiture. Kola ndaka mateya ba spectacle te. Ndeko eko apporte o rien. Celui qui meurt rend l'âme. Jérémie 15, 9. L'esprit ou le souffle, en tant que principe qui distingue les vivants des morts, peut souvent désigner la vie. Job 27, 3. Job 27, 3. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Tant que je serai en vie. Mon noko nangayi. Eba no bimisala biloko maloba. Biloko mabete. Eba no prononce biloko eza injiste te. Eba no lobaga biloko o eza ya malamu. C'est pour cela ndeko nangayi. Soko moni mouto asimbi Bible. Akoti po a critiquer. Ce n'est pas la peine à kulandaye. Ce n'est pas la peine même à kutalaye. Yo mo kozo eba déjà ke. Aza mouto a monde à ténèbres. Bato misala mabe. Mutu soka simbi Bible, fwa ya kolo wa makama malamu, ou alors,
a dénoncé moto ya tengami mais na ba verset biblique oko dénoncé moto te ola na makamusu solongo dénoncé moto na verset biblique mais avec amour même ceux qui a osé pela ngote mais faut les dénoncer la dénoncer cette personne avec beaucoup d'amour. Une longue vie reçue comme un don de la sagesse ou de Dieu. Une longue vie reçue comme un don de la sagesse ou de Dieu. Proverbe 3, 16. Dans sa droiture et une longue vie, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Mes chers frères et sœurs, Bible zo ba biso awawa kozana na longue vie eza don ya Nzambe. Eza don de la sagesse ou bien ya Nzambe. O kozana na longue vie ka boy pam pam pamte. Longue vie eza don ya sagesse ou alors ya Nzambe. Mais attention, Satan ne vante rien. Satan c'est un imitateur. Lui il imite. Il y a personne qui est bandoki, ba oumena kamingi. Yo kanisa ke ndoki kuna oumeli mingi. Eza don ya sagesse, to don ya Nzambe. Te eza ya. C'est pour cela ne konangai. Jésus-Christ ne cesse de dire ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Tant que yozo tchali lo bana Nzambe na misala, ndeko okoyeba makambo ebele. Okoyeba ndeko nangai makambo ebele. C'est pour cela ba disciples nanga bazaka na sengo mingi. Tant na ebisa bango bana nangai, mes chers disciples, ba brebia Jésus-Christ. Boye bali loba boko sepela eza recommandation ya Nzambe na moni erezo kende. Deutéronome 5:16, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ce verset contient implicitement l'idée d'une vie heureuse. Vivez les rois. Vivez les rois. Amoni et les okende. Oui, Isali. Ndeko, to parle li kamouya longue vie, to tani na Deutéronome 5:16. Na Deutéronome 5:16, balobi boye. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce verset contient implicitement l'idée d'une vie heureuse. Nde konangai, ezana batmoususu azobo ma mama na ye, to tata na ye nzala. Tata na yo azan vi. Nzambe asali ke yo koma mukolo omona ka etul temps. Ozongo boma enzala pona mosala Nzambe moko boyandoki alobaki na yo ke mama noza ndoki to tata noza ndoki. Nde konanga yo kanga même sokaza ndoki mama na yo to tata na yo lesai. Hein? Yo landa oyo Nzambe azoloba yo lesai. Ozana mbongo tindele kolinga teke yitanke yazala nzala. Ozana mapambolite. Ce n'est pas la peine bomba mbongo na banque mama na tata bazoku fanzala. Zwa tindela ye. Eza mapamboli. Parce que so konté oyo ye alesa yo tiyo ko mukolo okorambursa ngote. Ndeko nangai mama na yo sokazala bomoyi lesakai tata na yo sokazala bomoyi lesakai kolanda ka ba faux pasteur et tomba balamino ke tata yo ndoki tomba mama ndoki kolanda ka bangote sokio zala bonzambe neti nga
ndoki wana osala eloko moko te. E pasteur oyo bakeba mana oza ndoki tata oza ndoki azo koloba na yo po linga bango te. Aza koloba na yo po oyina bango. Boko mabenemi. Biti yazo linga osala nzoto yango wana. Ngai atake pasteur na lobina yo linga bango lesa bango. Eza na batu mususu bandoki bako kakabango te pona bolamu oyo bazo sala. Tangu bandoki baipo balia ye, bolamu na yo, bolamu na bango, e bandiko ganga. Ezo pelisa minda, papa, papa. Mweba lia ezate, bolamu e ganga ka. Mabepe e ganga ka. Ndeko, kabaka. Fungula kama boko. Jeste wana ezana ba pamboli ya kusakana te. Bola ndakate oba ya kapona kudetrui bino. Bo pesa kate. Memi na famina yo. Bato oba pastel ba mihibi. Yoso uzo la nakama te ya ndi wana. Mkolo ube la grave. Oba nyo lukaka mbongo. Po o seme. Moi je kelke ki ete a l'hôpital. Ayaka po azo lubiko. Ti ye moka ka, akimi na ye. Moko msusu akote hôpital azo beyanga. O pasta boni, yon nani apese ya komunga. Oh, me yoto yo zaga, ay papa. Boni la ponanga papa, nga na koseme. Nga, oh, na ye bisu makamande wani. Nga bite. O kendaka wapi. Benga kuna ba boni la, naza tro charge awa, naza pila ba disipline la nga ya awa. Voilà. Pase ye liye makasi, abandi ko luka ba bonde la pona aseme. Tu vois? Ndeko talaka mateya oyo ko landaka. Tayaka mateya na ba église na bino bozonga bokuta na basale ya Nzambe ya malamu. Oyo bazana na YouTube 90% bazana na basale ya Nzambe te. Nazulo bala mino ataki musale ya Nzambe parce que na uti aki na église. Lisons dans 1 Samuel 10, verset 24. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Samuel dit à tous les peuples, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tous les peuples qui soit semblable à lui. » Et tous les peuples poussant les cris, « Vive le roi !» Ce verset n'est pas simplement l'expression d'un souhait de longue vie, mais aussi d'un règne de paix, de prospérité et de victoire. Ah, ils ont parlé na bato bazwaka longue vie. Soko zana longue vie, oza toujours na joie. Yo mwa na nzambe tango zana vie, il faut zana toujours na joie. Ko lukaka ba dispute na bato te bandeko. Ko lukaka ko swa na te, ko lukaka makama mabete. Ezana ba oyo basala ba video mabe pona bato. Même soyez akufi. Tango ba video lezo ganga kaka ba malédiction sur que na ba nae omona mwana sala accident omona mwana kufi pona nini tango akufi atiki makama mabe oletika makama malamu mungongo ne lo bakale réunion sur na ba video na ndenga mabe yakenda mais nombre 14 et 18 eza ko continuer ko frapper faut ko e bakale li lo ba. Lisons dans Matthieu 22 32. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Ndeko verset oyo, lukaka oyo bakango. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais de vivant. Tango yo kufi. Et ça pour na ba waité, ça pour na ba oba na vivant. Il y a moi le bibino vous en vivant vous en vie la vie est un prêt elle est éphémère na def subina on mesa tant wa mukuse pour nous sala makamba bolamo pour nous sala toujours na joie. Matthieu 22 32 ça verset faut que na mutu. Dieu n'est pas un dieu de mort mais de vivant. Mes chers frères et sœurs, toujours tant na 2 Corinthiens 5 20. Tozo yoka
na 2 Corinthiens 5 et 20. Balobi boye. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Ce qui est le banayo qui est ambassadeur, il y a Christ. Il faut pour comprendre, il faut définir d'abord qu'est-ce qu'on attend par ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui quitte son pays pour aller travailler ou représenter son pays dans un pays étranger. Yozo landanga aux Congolais. Est-ce que ce qu'on est au Congo, bah on est étranger, t'es. Mais ce qu'on est en France, bah on est étranger. Bible nous a mis au boyé. Yo, où t'es qui n'a pas comme au boyé. Où t'es qui n'a pas comme yalola. Batindio awa, oya ko représenter Nzambe. Ce qui mission na esili, oko zonga na mboka na yo. Pour nous faire un bilan. Il faut que la Bible. Si vous avez un bilan, vous avez un bilan. 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 Jésus-Christ disait, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors, Bandeko, minute Sili, toko tanga na Hébreu. Hébreu 11, 13 à 16. Hébreu 11, 13 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. 15. S'ils avaient eu en vie celle d'où où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Verset 16. Mais maintenant, ils en disent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Mes chers frères et sœurs, après beaucoup de temps, dans 1 Pierre, na évité ce tromo, na omba omba ngo, 1 Pierre 2:11. 1 Pierre 2:11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs.